Bonjour tout le monde, on va commencer la première séance de théorie du cours Bio 6032. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc dans la prochaine heure et demie environ, c'est de commencer à travailler sur l'interprétation graphique, l'interprétation visuelle des modèles biologiques. Donc on va utiliser deux modèles aujourd'hui, un modèle à une variable, très simple, un modèle à deux variables qui sera une extension du premier modèle, et on va faire un petit peu de calcul, un petit peu de mathématiques, mais on va principalement essayer de développer des intuitions en visualisant la façon dont le modèle se comporte. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre un modèle de croissance logistique d'une population. Donc, c'est un modèle très simple que vous avez normalement déjà tous et toutes vu dans un cours de dynamique des populations. Et ce modèle, il est écrit de la façon suivante, c'est la dérivée de la taille de la population en fonction du temps, c'est le taux de croissance fois la taille de population moins un taux de compétition intraspécifique fois la taille de population au carré. Donc ce modèle-là, il a deux mécanismes. Il y a deux choses qui se passent. La première chose qui se passe ici, ça va être la croissance. Et la deuxième chose, ici, ça va être la compétition. Donc le point qui est important, c'est que la relation entre ces deux mécanismes-là, c'est une relation qui est négative. Donc le comportement du modèle, il va être déterminé par une balance entre le processus de croissance, R fois N, et le processus de compétition Q fois n carré. La première chose qu'on peut faire, qui est très simple en fait, c'est de se dire ben, il y a un premier processus qui génère des individus, un deuxième processus qui enlève des individus. Ça peut être pas forcément des individus, ça peut être de la biomasse. Il y a quelque chose qui crée, puis quelque chose qui enlève. Donc on va commencer à regarder la forme que ça a en fait. On va faire ça de manière assez simple avec une figure en fonction de n, où la majorité du temps, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les variables vont se comporter au cours du temps. Donc dans la séance précédente sur la programmation du modèle de chémostat, on représentait n en fonction de t. Mais là, on peut commencer à représenter les comportements des parties du modèle en fonction de l'état du système, donc ici de la taille de population. Donc la première chose qu'on va faire, ben, ça va être de représenter R fois N. Donc R fois N, de manière assez simple, c'est une droite, et une droite qui n'a pas d'intercept, donc qui coupe l'axe à 0, 0. Okay? Donc ça c'est R fois N, et c'est notre processus de croissance. Ici c'est 0. Cet axe-là, pour l'instant, on n'a pas expliqué ce que c'était, on lui a pas donné d'unité, c'est juste des parties de dn sur dt. Et donc, il n'y a pas vraiment de. C'est la quantité de changement qui est due à chacun des mécanismes qu'on a à l'intérieur de notre modèle. Donc, ça, c'est notre premier mécanisme. Notre deuxième mécanisme, c'est q fois n carré. Donc, q fois n carré, bah, ça va décrire une parabole. Okay. Puis une parabole qui va couper l'axe Y ici à 0 pour n égale 0. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ok. Parfait. Donc ça, ici, c'est Q fois n au carré. On va lui donner une autre couleur. Rapidement. Voilà. Q fois n au carré, ici. Là, on vient d'apprendre quelque chose d'assez important sur notre modèle. Deux choses, en fait. La chose numéro un, c'est que nos deux courbes, elles vont se croiser ici, puis elles vont se croiser ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est là, R fois N, c'est égal à Q fois N au carré.
Et quand on est là, R fois N, c'est aussi égal à Q fois N au carré. Donc il y a deux points dans notre espace, dans notre ligne qui va de 0 jusqu'à N, pour laquelle le processus de croissance est exactement égal au processus de compétition. Autrement dit, s'il y a autant d'individus qui sont créés que d'individus qui sont enlevés du modèle, ben le modèle va, d de n sur dt va être égal à 0 et le modèle va arrêter de varier dans le temps. Ça, c'est la première chose qu'on a appris. La deuxième chose qu'on a appris, c'est que on a choisi de donner à notre axe des n ici uniquement des valeurs positives. Évidemment, toutes ces fonctions, elles continuent pour des valeurs de n qui seraient négatives. Donc la raison pour laquelle on n'a pas prolongé cet axe, et donc prolongé ces fonctions, c'est que toute cette zone ici, ça correspond à n inférieur à 0. N inférieur à 0, autant ça peut faire du sens d'un point de vue mathématique, on est capable d'écrire cette équation en mettant une valeur négative de n. Autant d'un point de vue biologique, ça ne va jamais se produire, parce que n, c'est une taille de population ou un nombre d'individus, et donc par définition, ce sera nécessairement quelque chose qui est positif ou nul. Donc, ce qu'on peut rajouter ici comme spécification, comme contrainte dans notre modèle, c'est que n doit être supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre de cette visualisation? Ben, ce qu'on peut apprendre d'autre, c'est qu'on devrait être capable de projeter ce point ici sur l'axe de n, et que du coup, il devrait y avoir une certaine valeur de n ici pour laquelle notre système il va atteindre son état d'équilibre. Okay. On va y revenir un peu plus tard. En fait, on va la calculer un peu plus tard. Mais là, il y a une valeur assez intéressante qui va être une valeur d'équilibre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre là-dessus? Ben, ce qu'on peut apprendre d'autre là-dessus, c'est que on a ici notre processus de croissance. Et puis on a en dessous notre processus de décroissance. Okay, donc on a ce qui nous fait perdre des individus versus ce qui nous fait gagner des individus. Donc dans cette zone-là, quant n est à l'intérieur de ces valeurs-là, on a r fois n qui est supérieur à q fois n carré. Donc ce que ça veut dire, c'est que, on va prendre une autre couleur, à l'intérieur de cette zone-là, il y a plus d'individus qui sont créés que d'individus qui sont perdus. Autrement dit, le modèle dans cette zone-là de n, il est dans une situation de croissance. Dès qu'on dépasse ça, ben là c'est l'inverse et on est dans une situation de décroissance. Donc là, en fait, on est capable de décortiquer un petit peu plus notre modèle en isolant les processus de croissance, les processus de décroissance, et puis on dessine tout ça et on apprend des choses sur notre modèle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va tout reprojeter sur une seule ligne. Okay, là, on a créé une sorte de plan avec deux dimensions, une dimension qui est n, une dimension qui est, on ne sait pas trop quoi, c'est la valeur des différents composants du modèle. Donc on va prendre cette visualisation-là, puis en fait on va se dire simplement que notre modèle il existe dans un espace à une seule dimension, avec n qui va de 0 à une certaine haute valeur qu'on va calculer un peu plus tard. Et là on est capable de déterminer le comportement du modèle. Donc quand on est en dessous de 0, ça va être la première situation, quand on est en dessous de 0, ça on sait que biologiquement ça n'a pas de sens, donc on ne va pas s'y intéresser. Il n'y a pas de raison que la valeur de population, elle soit négative. Donc la valeur de population, elle va inclure 0, et puis après elle va pouvoir augmenter.
Quand on est entre 0 et puis ce point où la compétition et la croissance sont exactement égales, ce qu'il va y avoir dans notre modèle, c'est une augmentation de la taille de population. Donc tant que n est entre 0 et puis cette valeur qui n'est pas encore spécifiée, qu'on n'a pas besoin de spécifier, on va y arriver dans un moment, notre taille de population, elle augmente. Donc si notre taille de population, elle augmente, ça veut dire qu'on va se déplacer vers la droite sur l'axe des n, ici. Par contre, quand on dépasse cette taille-là, ce qu'on obtient, c'est que la compétition est plus grande que la croissance. Et du coup, si notre population commence à une valeur de n qui est à droite de ce point, on va avoir une décroissance et ça revient à se déplacer vers la gauche sur l'axe des n. Là, si on prend 3 minutes pour regarder ce graphique, on va arriver à commencer à développer des intuitions sur, par exemple, où est-ce qu'on se rend? Où est-ce qu'on va s'arrêter si on a une population? Si on a une population qui commence à 0, mais on va se déplacer vers la droite. Et puis, arrivé à ce point-là, si on dépasse, on va se déplacer vers la gauche. Et puis si on commence ici, on se déplaçait vers la gauche, et si on dépassait ce point-là, on se redéplacerait vers la droite. Donc il y a des chances que notre population elle finisse par arriver sur ce point qui est là. Est-ce qu'on peut l'identifier d'une autre manière? Oui, on peut. Et puis en fait, ce qu'on peut faire, on va refaire un graphique ici, qui aura toujours n comme axe, qui aura toujours 0 ici. Et cette fois-ci, on va donner une valeur vraiment explicite à notre axe des y. Et ce qu'on va représenter, c'est d sur dt de n. Puis là, on a une formule en fait. La formule, c'est r fois n moins q fois n carré. Donc on est capable d'aller faire une représentation visuelle de ça. Puis, croyez-le ou non, en tout cas, faites-moi confiance, ça va avoir cette forme-ci. C'est moins moche en vrai, mais ça va à peu près avoir cette forme-là. Donc pour n égale 0, on a dn sur dt qui est égal à 0. Donc ça, c'est la même chose qu'on avait ici. Donc là, on a d sur dt de n égale 0. Et puis pour notre deuxième valeur qu'on avait identifiée tout à l'heure, on a aussi d sur dt de n égale 0. Cette fois, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, on peut continuer à prolonger ces axes-là, mais on a décidé que n étant nécessairement positif ou nul, ça ne nous intéressait pas, et donc on ne va pas le faire. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, en représentant directement la valeur de la dérivée, de d de t sur d sur dt de n, on a gagné une information supplémentaire, qui est que pour toute cette partie de l'axe des n, on a d sur dt de n qui est supérieur à 0. Puis, rappelez-vous qu'une équation différentielle, ce que ça décrit dans un système, c'est son changement. Donc si le changement est positif, puis là c'est la même zone que ce qu'on avait tout à l'heure, okay, qui est toujours dans la même couleur, croissance. Si le changement est positif, ça veut dire que la valeur de n, elle va augmenter. Par contre, dès qu'on dépasse ce point ici, le signe de notre dérivée, il devient négatif. Et quand le signe de la dérivée devient négatif, c'est que la valeur, elle diminue. Donc en fait, quelle que soit la représentation graphique qu'on choisisse de faire de ce modèle-là, soit on remarque que on a un processus et puis on soustrait le résultat d'un deuxième processus. Et donc on regarde à quel moment est-ce que ces deux processus ils ont la même valeur de changement, ou qu'on choisisse de représenter directement la valeur de la dérivée en fonction de la taille de population, on va obtenir le même résultat. Et le résultat qu'on a obtenu, c'est il y a deux points pour lesquels le système ne change pas. On a identifié deux états d'équilibre avec notre méthode graphique. Entre ces deux points,
La valeur de la dérivée, elle est positive, et donc le système, il augmente. La valeur de n, la taille de population, augmente. Quand on est à gauche du premier point, on a une valeur de n qui est négative, et donc c'est pas biologiquement réaliste de s'intéresser à cette partie-là de notre espace des n. Par contre, quand on est à droite de ce point, on a une valeur de la dérivée qui est négative, et donc la valeur de n va diminuer. Et on peut présumer qu'elle va revenir vers ce deuxième point. Donc là, on a fait quelque chose d'extrêmement important, qui est qu'on a identifié des états d'équilibre, pas encore complètement, mais on sait visuellement que, y en a deux. Il y en a un, c'est facile. Okay? Il y en a un, il est facile à identifier, Cn égale 0. On voit que nos deux processus ils se croisent à l'origine de notre graphe ici, à l'origine de notre graphe ici. Donc là, c'est clair que c'est la même chose. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on trouve la valeur de ce point-là? Mais pour trouver la valeur de ce point-là, nos deux approches visuelles, elles nous donnent deux solutions différentes. Okay? La première solution, c'est que... La première solution, ça va être que R fois N, c'est égal à Q fois n carré. La deuxième solution, si on la prend de cette figure-là, c'est que d sur dt de n égale à 0. En fait, évidemment, si on réécrit d sur dt de n égale à 0, ça va être la même chose que ça. Donc là, comment est-ce qu'on trouve la valeur de n? Mais c'est pas bien compliqué, on va le faire ici. On sait que d sur dt de n, donc r fois n moins q fois n carré, c'est égal à 0. Là, ce qu'on va faire, c'est remarquer quelque chose de très important qui se passe dans notre équation, qui est qu'on a un n ici et un n ici. Donc, notre réflexe immédiatement, ça va être de dire qu'on a n multiplié fois r par r moins q fois n égale à 0. Et ça nous donne, hein, ça nous donne deux solutions. La première, c'est que n est égal à 0. Puis n est égal à 0, on peut vérifier. Oups. N est égal à 0, ça correspond à ce point-ci. Okay. Donc là, en faisant un petit calcul, première étape, on a identifié un des états d'équilibre qu'on avait identifié visuellement. Puisque c'est un état d'équilibre, par convention, on va le noter de manière un petit peu différente. On ne va pas juste dire n égale 0, on va dire que ça s'appelle n étoile. Donc dans différents textes, dans différents manuels, ça peut être noté n chapeau, par exemple. Je ne suis pas très fan de la notation n chapeau, parce que une variable chapeau, pour moi, c'est un truc de statistique. En tout cas, n étoile pour les états d'équilibre. Donc ça, c'est la première partie de la solution. La deuxième partie de la solution, là, au passage, vous remarquerez qu'on fait des mathématiques niveau secondaire, donc pour l'instant, c'est relativement calme. La deuxième partie de la solution, c'est que r moins q fois n est égal à 0, et puis ça c'est R égale Q fois N, et donc on peut écrire que N étoile égale R divisé par Q. Donc ça, c'est le deuxième état d'équilibre qu'on avait identifié visuellement. Donc celui-là, il est ici et ici. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant on est capable d'annoter notre figure. On va prendre celle-ci, en disant que là, la valeur qu'on a, c'est plus une valeur qui est inconnue, c'est R sur Q. Ok. On va résumer tout ça tranquillement. On avait un modèle dans lequel il y a une variable. Puis deux paramètres. Au passage, posez-vous la question, combien il y a de variables, combien il y a de paramètres? Il y a une variable qui est n, deux paramètres qui sont r et q, et ça décrit la dynamique d'une population qui est en croissance. En visualisant de manière différente
l'équation qui décrit le comportement du modèle, on a identifié qu'il devait y avoir deux endroits pour lesquels, deux valeurs de n, pour lesquelles le modèle il allait atteindre un équilibre, c'est-à-dire arrêter de varier. On en a identifié une de manière visuelle qui était évidemment n égale 0, on l'a confirmé avec une analyse du modèle. Et puis on en a identifié une deuxième qui était n supérieur à 0, et ça on a trouvé que c'était r divisé par q pour ce modèle-là, avec une analyse de quand est-ce que la dérivée arrête, quand est-ce que la dérivée est égale à 0. Donc là, les concepts principaux qu'il faut retenir, et on va les utiliser pendant l'ensemble du cours, c'est des concepts qui sont vraiment, vraiment fondamentaux. Un état d'équilibre, c'est quand la dérivée est égale à 0. Il y a plein de choses qu'on fait après pour caractériser cet état d'équilibre vraiment plus en détail. Mais pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que notre état d'équilibre, c'est d de n'importe quoi sur dt est égal à 0. Le deuxième concept, c'est que le signe de la dérivée, il est extrêmement important. Quand la dérivée est positive, la valeur de la quantité qu'on modélise, elle augmente. Quand la dérivée est négative, la valeur de cette quantité qu'on modélise, elle va diminuer. Donc c'est ça qui nous permet de voir ici, bah, quand on est entre 0 et puis r sur q, du coup, on a une augmentation de la taille de population. Quand on est au-dessus de r sur q, on a une diminution de la taille de population. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est exactement sur r égale 0 ou sur n égale 0 ou exactement sur n égale r sur q? C'est ce qu'on verra quand on va commencer à parler d'analyse de stabilité locale. Mais pour le moment, le premier travail préliminaire, c'est toujours d'identifier les états d'équilibre, et on peut faire une grosse partie de ce travail avec des méthodes qui sont graphiques. Ok, ça c'est la première étape. Notre modèle là, il était assez simple parce qu'il avait une seule variable. Dans la majorité des cas, on va avoir des modèles qui ont plusieurs variables, avec des relations entre ces variables qui ne sont pas forcément des variables qui vont rentrer en interaction les unes avec les autres. Au passage, vous allez avoir un PDF des notes. Donc c'est pas la peine de tout reproduire, je vais les scanner et elles seront disponibles à la fin du cours. Là, ce qu'on va faire pour commencer à s'amuser un peu plus, c'est qu'on va rajouter un prédateur. Donc notre population au début, elle était... on va toujours l'appeler n. Ok, je vais simplifier un peu la notation. Ok, on va écrire n point à la place de d sur dt de n. Juste parce que sinon, pour l'ensemble de la session, je pense que je vais écrire 5000 fois d sur dt et ça va me saouler assez rapidement. Donc ça va être n point. Ok, n point, ça va être égal à... Ben, on va reprendre notre modèle de tout à l'heure, r fois n moins q fois n carré. Ça, c'est notre modèle de croissance. Il y a de la croissance, il y a de la compétition. Au passage, si vous enlevez le q fois n carré, s'il n'y a pas de compétition, on a la dérivée de n en fonction du temps, c'est r fois n, que vous avez probablement reconnu comme étant un modèle de croissance exponentielle. Maintenant, ce qu'on a besoin de faire là-dedans, c'est de rajouter un prédateur. Donc, un prédateur, ça fait quoi? Mais prédateur, ça prend de la biomasse. Et puis, avec cette biomasse, ça crée de la biomasse. Donc, notre proie, ici, elle va créer de la biomasse avec un taux qui est R. Et puis, elle va diminuer sa biomasse avec un taux qui est Q. Donc on a deux processus, et ça c'est notre modèle tel qu'il est en ce moment. Si on rajoute notre prédateur là-dedans, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change que le prédateur il va aller diminuer la biomasse de la proie, et que la proie par contre elle va aller augmenter la biomasse du prédateur. Ça, le choix que ça nous demande de faire,
C'est, si vous avez lu les différents articles que j'ai mis sur Studium, vous allez dire, il faut qu'on définisse une réponse fonctionnelle. Et vous avez lu le papier de Leslie Real 1973, Olling 1959, tout ça, vous êtes familier avec les différents types de réponses fonctionnelles. On a parlé de Michaelis-Menten, j'allais dire la semaine dernière, donc il y a 2 jours. Là, ce qu'on va utiliser pour faire simple, c'est une réponse fonctionnelle qu'on appelle la réponse fonctionnelle de type 1. Ce que ça veut dire, c'est que pour une unité de prédateur, si on regarde le nombre de proies ici, puis qu'on regarde ici la consommation qui est faite de ces proies, ça va augmenter de manière linéaire. Ça, c'est plein d'hypothèses qui ne sont pas forcément super réalistes. Mais ça va nous permettre de nous simplifier pas mal le travail, parce qu'on va faire l'analyse de notre petit modèle à la main. Et donc, on n'a pas envie d'aller rajouter des termes comme le temps de manipulation, comme des constantes de demi-saturation, etc. Alors, on va avoir quelque chose qui est relativement simple. Et du coup, on va utiliser une réponse fonctionnelle de type 1. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller rajouter un premier paramètre ici, qu'on va appeler, je ne sais plus comment je l'ai appelé, je sais plus comment je l'ai appelé, gamma. Parfait. Gamma. Et ce que gamma ça représente, c'est le taux de consommation par unité de prédateur, par unité de proie. Donc c'est fois n fois p. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a besoin de définir une équation pour le prédateur, évidemment. Le prédateur, qu'est-ce qu'il gagne, lui, là-dedans? Ben, le prédateur, il va consommer, il va prélever gamma fois n fois p, unité de proie, par unité de temps. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le processus de consommation, il est imparfait. On a parlé d'efficacité écotrophique pendant la dernière séance. Si on prend une unité de proie, on ne crée pas une unité de prédateur avec. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est prendre gamma et puis le multiplier par une autre variable ici. Donc faire par exemple gamma fois epsilon fois n fois p. C'est long à écrire. On va écrire bêta fois n fois p. Ça devient un système d'équations à un différentiel. Donc on va mettre une petite accolade ici. Puis on peut se mettre une petite note si on veut que bêta, c'est égal à gamma fois epsilon. Mais c'est pas tellement intéressant parce que finalement on va jamais dissocier ces deux termes. Vous allez voir pourquoi. On a le droit, quand on fait de la modélisation, de prendre des décisions comme ça. De dire oui, on sait que le taux de consommation effectif des prédateurs, c'est bêta fois l'efficacité écotrophique. On peut mettre d'autres processus là-dedans. Pour le moment, on peut se dire ça va être une seule variable, pardon, un seul paramètre, on va l'appeler bêta. Et ça va bien suffire. Qu'est-ce qui manque à notre modèle? Ben, il manque le fait que les prédateurs, ils ont un taux de mortalité. Si le prédateur, il mange pas, il finit par mourir. Et donc, on va rajouter un terme ici qui est moins delta fois p. Moins delta fois p, vous aurez aussi reconnu que c'est un modèle de décroissance de type exponentiel. Et donc là, on a créé notre modèle proie-prédateur. Donc juste pour faire le tour, on a un modèle de dynamique de population de la proie qui a un premier mécanisme qui est un mécanisme de croissance. Dedans, il y a un deuxième mécanisme qui est un mécanisme de compétition. Celui-là, il est négatif. J'ai vu la question dans le chat, je vais y répondre juste après. On a un troisième mécanisme ici qui est gamma fois n fois p, qui est un mécanisme de prédation. Et puis ce mécanisme de prédation, ben, ce qu'il va créer, c'est de la biomasse de prédateurs ici. Et puis pour finir, on a un dernier mécanisme qui est la mortalité des prédateurs.
Est-ce qu'on considère la compétition entre les prédateurs pour trouver les proies? Non. En fait, la façon de la considérer, ce serait d'utiliser un autre type de réponse fonctionnelle dans laquelle il y aurait ce qu'on appelle de l'interférence entre les prédateurs. Évidemment, dans la vraie vie, c'est super important. La compétition entre les prédateurs, elle est indirecte. On va le voir après. Plus il y a de prédateurs, plus ils vont manger de proies, donc moins il y a de proies. Et puis moins il y a de proies, moins il y a de prédateurs. Il va se passer différentes choses. Mais si on voulait avoir un modèle où la question elle est liée à c'est quoi l'importance de la compétition entre les prédateurs, on utiliserait une autre réponse fonctionnelle ou une autre ou d'autres processus. On pourrait mettre une compétition interspécifique pour les prédateurs. Ça, c'est le modèle le plus simple. Donc là, on a fait notre petit jeu, mon petit coloriage avec les crayolas que j'ai volés à mon fils ce matin. Et en fait, autant tout à l'heure, on avait juste deux mécanismes et c'était facile de les visualiser. Là, on est passé à 1, 2, 3, 4. Donc, quand on est rendu à 4 mécanismes, on va pas juste se contenter de dessiner des petites lignes comme ça, parce que ça va vite être compliqué. D'autant que tout à l'heure, on avait une situation qui était simple. On avait un axe, N, et puis on avait un autre axe qui était le changement. Maintenant, on vient d'introduire une nouvelle variable. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a notre axe, N. Puis, attention, budget technologique, on passe en 3D. On a un deuxième axe qui est P, et puis on a notre troisième dimension qui est le changement. Okay. Donc là, notre métaphore visuelle qu'on a utilisée tout à l'heure, elle fonctionne pas tellement. C'est un peu trop compliqué. Donc ce qu'on va faire pour se simplifier la vie, c'est qu'on va travailler dans un espace qui est défini par les valeurs des deux variables, donc n et p. Puis là, il y a toute une série de choses qu'on peut faire. Okay? Cet espace-là, il a l'air de rien comme ça. Mais ça va nous permettre de faire essentiellement le même travail d'identification des équilibres que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc revenons sur le concept qu'on a vu tout à l'heure, où juste le remettre ici. Un état d'équilibre, ça correspond à la dérivée de quelque chose égale à 0. Donc ici, la dérivée de n, donc dn sur dt égale à 0 à deux endroits, et c'est nos deux états d'équilibre. Parfait. Là, on a deux dérivés. Parce qu'on a deux espèces dans notre modèle. Donc nos états d'équilibre, ça va être. Ils vont être définis par quoi? Ils vont être définis par la dérivée de n est égale à 0. La dérivée de p est égale à 0. Donc ça, c'est pas de changement dans la proie. Ça, c'est pas de changement dans le prédateur. Puis, les états d'équilibre où le système ne change pas du tout, c'est la dérivée de n est égale à la dérivée de p est égale à 0. Et ça, c'est pas de changement ni dans la proie, ni dans le prédateur. Il est possible qu'il y ait plusieurs combinaisons de valeurs de n et de p qui nous permettent d'arriver à ces différents états d'équilibre. Donc là, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment est-ce que visuellement on peut aller identifier ces états d'équilibre. Donc ce qu'on va faire, c'est se dire en fait que on travaille dans un espace qui est défini par n et par p. Donc ce qu'on aimerait identifier, c'est quelque chose comme est-ce que la valeur de p, ça pourrait être une fonction de n? Et on va faire ça dans un contexte qui est toujours le contexte de quand est-ce que la dérivée de n est égale à 0, quand est-ce que la dérivée de p est égale à 0. Ça va prendre un peu de place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste passer sur une autre feuille. On va réécrire le modèle tranquillement. Ok. Donc notre modèle, juste pour qu'on l'ait sous les yeux, pas bien compliqué. La dérivée de n, c'est r fois n moins q
fois n carré moins gamma fois n fois p. Et la dérivée du prédateur, c'est bêta fois n fois p moins delta fois p. Ce delta est super moche et ça va nous poser des problèmes quand on va parler des dérivées partielles, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Ok. Donc, et ce qu'on veut faire, on va se le dessiner ici pour s'en souvenir, c'est qu'on veut représenter ça dans un espace défini par la valeur de n et la valeur de p. Très bien. Et là, en fait, le travail qu'il y a à faire, il est assez simple, c'est qu'on va aller visualiser... pour commencer, quand est-ce que... par quoi on va commencer? On va commencer par le prédateur. Qu'est-ce qui fait que la d sur dt de p est égal à 0? Mais pour savoir ça, on va prendre notre équation du prédateur, donc b fois n fois p, bêta fois n fois p, moins delta fois p, est égal à 0. Là, encore une fois, on se dit, haha, il y a des deux côtés, il y a P qui intervient dans tous les termes, donc on peut écrire P fois bêta N moins delta, c'est égal à 0. Là, immédiatement, on sait que la première solution, ça va être que P, il y a un équilibre de P qui est P est égal à 0. Autrement dit, s'il n'y a pas de prédateur, la taille de population du prédateur, elle ne change pas. Puis ça, on peut vérifier biologiquement, évidemment, ça fait du sens immédiatement. La seule façon pour la taille de population du prédateur d'augmenter, c'est le processus ici qui est positif. C'est-à-dire qu'il faut que P soit supérieur à 0. Si on ne met pas de prédateur, le prédateur ne peut pas manger de proie, et du coup, il ne va jamais augmenter. Donc s'il n'y a pas de prédateur au début, le prédateur, il va... rester sur un état d'équilibre qui est P égale 0. La deuxième condition qui fait que cette équation-là, elle est vraie, c'est bêta, bêta n moins delta égale à 0. Donc c'est bêta n est égal à delta. Et donc n égale delta sur bêta. Ça, c'est un état d'équilibre. Et ça, c'est un état d'équilibre. C'est là que ça devient assez important. Ok, on en a identifié deux. Donc, P égale à 0, premier état d'équilibre, pour le prédateur. Okay. On va le mettre ici, P égale à 0. Donc, P égale à 0 dans notre espace, là. On va juste faire une figure pour le prédateur, ce sera plus simple. Parce que, de toute façon, il faut les mettre ensemble après. N, et puis P. Parfait. Donc le premier état d'équilibre qu'on a identifié, c'est P égale à 0. Donc P égale à 0, ben, c'est une ligne verticale. Okay. Qui est là. Quelle que soit la valeur de N, s'il n'y a pas de prédateur, il n'y a pas de changement dans la taille de population du prédateur. Ça, c'est bon. Deuxième valeur qu'on a identifiée comme étant en équilibre du prédateur. Et d'ailleurs, c'est pas une étoile en fait. Pardon, c'est pas une étoile du tout. Erreur de ma part, désolé. C'est n est égal à delta divisé sur bêta. Donc delta divisé sur bêta, c'est quoi sur notre figure? Ben. C'est la même chose que P égale 0, okay, c'est une ligne. Et c'est une ligne. Ah oui, ok, non, c'est bon, je viens de comprendre ce que j'avais fait, c'est pas grave. C'est une ligne qui est ici, c'est une ligne qui est verticale. Ok, donc là on a deux situations pour lesquelles. La taille de population du prédateur ne varie pas. Okay, donc la première, c'est ici. Et ça correspond à une absence de prédateur.
Ça, c'est un peu plus difficile à interpréter. Delta sur bêta. Mais ça correspond à la situation pour laquelle il y a suffisamment de proie pour que la prédation compense exactement la mortalité. Okay, donc là, c'est prédation. Égale mortalité. Parfait. Donc ce que ça veut dire, c'est que si on prend n'importe quelle taille de population, n'importe quelle combinaison de taille de population qui se trouverait exactement sur une de ces lignes-là, donc soit P égale 0, soit N égale delta sur bêta, la taille de population du prédateur ne va pas varier. La taille de population des proies, on n'en a pas parlé pour le moment, elle peut varier. La taille de population des prédateurs, elle varie pas. Ces deux lignes-là qu'on a identifiées, ça s'appelle des ZNGI pour 0 net gross isocline. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que simplement, c'est des lignes sur lesquelles la valeur de la dérivée est toujours la même. Et donc, il se trouve que là, la valeur de la dérivée, c'est toujours 0. N'importe où sur ces lignes-là, la valeur de d sur dt de p est toujours égale à 0. Là, on n'a rien dit sur la valeur de la dérivée de n pour le moment. Gardez bien ça en tête. Cette analyse-là, ça concerne uniquement le prédateur. Allons-y pour la suite. Là, on va faire la même chose avec. Quand est-ce que la dérivée de n est égale à 0? Autrement dit, quand est-ce que la quantité de proie ne varie pas? Et là, on va faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va écrire Rn moins Q n carré moins gamma n p égale à 0. Là, notre modèle, ben, encore une fois, c'est facile. On a n fois r moins qn moins gamma p égale 0. Question dans le chat, est-ce que l'intersection des deux lignes indique quelque chose de spécial? L'intersection des deux lignes bleues et rouges, ici. La réponse est non, parce que ça correspond à des situations qui sont différentes en fait. Dans les deux cas, il n'y a pas de prédateur. C'est donc dans les deux cas, il n'y a pas de prédateur. Et puis si on est sur la ligne bleue, bah, de toute façon, s'il y en avait, ça ne changerait pas parce qu'il se trouve que c'est exactement la taille de population de n qui fait qu'il n'y a pas de variation dans P. Mais c'est deux situations différentes. Okay. L'intersection des lignes qui va avoir de l'importance, c'est l'intersection des lignes pour le prédateur et la proie. Puis on va les voir juste après. Donc là, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit notre solution pour quand est-ce que la proie arrête de varier. Donc la première qu'on a ici, c'est n. Ah, c'est un vrai équilibre. N étoile égale 0. S'il n'y a pas de proie, il n'y a pas de variation dans la taille de population de la proie. La seule façon que la proie, elle augmente en abondance, c'est r fois n. Si n égale 0, ça augmentera jamais et donc il n'y a pas de changement. La deuxième possibilité d'avoir quelque chose qui est à l'équilibre, c'est que R moins Qn moins gamma P soit égal à 0. Ça, on va le réorganiser un petit peu. Puis, la raison pour laquelle on va le réorganiser, c'est que, rappelez-vous, on va commencer à le dessiner un peu plus bas. Ouais. Ça, juste laisser de la place. N, P. Parfait. L'espace dans lequel on travaille, c'est N et P. Okay. Et donc, pour représenter ça, ce qu'on aimerait avoir, c'est quelque chose qui ressemble à P et une fonction de N. On ne sait pas encore quelle fonction ça va être, mais ce que ça veut dire, c'est que pour exprimer P en fonction de n,
Il va falloir que d'un côté du signe égal, on ait P, et de l'autre côté du signe égal, on ait N et tout le reste. Donc allons-y avec ça. Donc ce que ça nous donne, c'est gamma P égale R moins QN. Ça, c'est bien. Donc il suffit juste de diviser tout ça par gamma. Donc P égale moins Q sur gamma fois N plus R sur gamma. Pourquoi est-ce que je les ai écrits comme ça? Juste parce que en fait ça, c'est équivalent à P égale A fois N plus B. Ok, on a écrit une équation linéaire avec une pente qui est moins Q sur gamma, donc c'est négatif au passage, et puis un intercept qui est R sur gamma. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on a une fonction de n qui nous donne la valeur de p. On peut la représenter, et puis on sait deux choses. Puisque c'est l'équation d'une droite, on sait qu'elle va couper l'axe vertical ici à la valeur qui est son intercept, donc r divisé par gamma. Et on sait aussi que la pente, elle est négative. Et donc, elle va couper l'axe des n à une autre valeur qu'on va déterminer. Donc, quand est-ce que ça coupe l'axe des n? Ça coupe l'axe des n quand p est égal à 0, autrement dit, quand moins q sur gamma fois n plus r sur gamma égale à 0. Ça nous dit que r sur gamma est égal à égal à q sur gamma fois n, et donc n est égal à r sur gamma fois gamma sur q, et ça c'est égal à r sur q. Et là c'est le moment où vous devez vous dire, hey, 2 minutes, ça on l'a déjà vu quelque part. Et donc si on revient 30 minutes en arrière à peu près, rappelez-vous que notre modèle qu'on avait ici, d de n sur dt, c'était r fois n moins qn carré. R fois n moins qn carré, ça apparaît ici. Et donc si on enlève le prédateur, si p est égal à 0, ben, le modèle qui nous reste, c'est r fois n moins qn carré. Puis quand on avait fait notre analyse, on avait déterminé que la proie toute seule, elle atteignait une valeur à l'équilibre qui était r sur q. Là, ce qu'on obtient, c'est que notre proie toute seule, quand p est égal à 0, elle atteint une valeur à l'équilibre qui est égale à r sur q. Et ça, c'est une sorte de vérification du modèle qui est extrêmement importante à faire, parce qu'on ne s'attend pas à ce que la proie elle se mette soudainement à atteindre une autre valeur. Et on s'attend à ce qu'elle revienne là où elle était en l'absence du prédateur. Parce que simplement, si on décide de cacher cette partie-là du modèle, attendez, parce que là, vous n'allez pas voir, ok. Ce avec quoi on se retrouve, c'est notre modèle de tout à l'heure avec une seule dimension qui va de 0 jusqu'à n, et l'état d'équilibre, ça va être r sur q. Ok. Donc, on va juste revisualiser tranquillement les différents états d'équilibre qu'on a identifiés. Le premier, c'est n égale 0. Puis n égale 0, ça correspond à cette ligne verticale ici. Et le deuxième état d'équilibre, qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé comme couleur encore? Vert. Le deuxième état d'équilibre, c'est cette ligne-là. Donc c'est pas, à strictement parler, un état d'équilibre, mais ce que c'est que à n'importe quel moment sur cette ligne, à n'importe quel endroit sur cette ligne, la taille de population des proies ne va pas varier. Ok, là, on a fait une bonne partie du travail. On n'a pas fait l'intégralité du travail, mais on a quand même fait une bonne partie. Et on va passer à l'étape suivante, qui est de mettre ces trucs-là ensemble. Parce que la première étape, ça a été de déterminer les isoclines du modèle pour le prédateur.
Donc les isoclines du modèle pour le prédateur, c'est N et P. Et au-delà de celle qui est triviale, hein, qui est P égale 0, la première, c'est une ligne verticale qui coupe l'axe des N à delta sur bêta. Ça, c'est pour le prédateur. Pour la proie, on a N et P. Et au-delà de celui qui est trivial, c'est-à-dire N égale 0, on a vu que c'était une ligne qui partait de R sur gamma et qui arrivait ici à R sur Q. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est superposer ces deux figures. Puis, il y a une première situation. Situation numéro 1. 4, 4, N, P, delta sur bêta. Ok, ça c'est l'isocline du prédateur. Et ça c'est l'isocline de la proie. R sur gamma, R sur Q. Là, la relation mathématique qui existe entre les deux, ici, c'est que R sur Q est plus petit que delta sur bêta. Quand on a ça, ce qu'on observe, c'est que en fait, pour que les deux isoclines se croisent, il faudrait qu'on les prolonge. Elles ne se croisent pas pour des valeurs de n ou de p qui soient toutes les deux positives. La considération qu'on avait tout à l'heure de dire nos nombres, ils pourraient continuer, mais biologiquement, ça n'a pas de sens de le faire, elle s'applique toujours ici. Okay? On ne veut pas avoir une taille de population du prédateur ou de la proie qui soit négative. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de valeur ici pour lesquels le prédateur et la proie vont atteindre leur équilibre en même temps. Puis ça, c'est super important parce que quand le prédateur et la proie atteignent leur équilibre en même temps, ça veut dire qu'il y a des chances de les voir coexister. La situation alternative, situation numéro 2, N et P, c'est qu'on a delta divisé par bêta ici, mais que cette fois R sur Q, c'est R sur gamma toujours. Là, la relation entre les deux, c'est que R sur Q est plus grand que delta sur bêta. Puis quand c'est le cas, quand ça se produit, cette fois on a un état d'équilibre pour lequel N étoile est supérieur à 0 et P étoile est supérieur à 0. Donc là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que dans notre modèle, il y a une relation extrêmement importante entre les paramètres qui est la valeur relative de R sur Q et de delta sur bêta. Si R sur Q est plus grand que delta sur bêta, on va pouvoir observer un état d'équilibre qui fonctionne à la fois pour la proie et pour le prédateur. Si ce n'est pas le cas, on n'aura pas un état d'équilibre qui va correspondre à une valeur positive à la fois pour la proie et pour le prédateur. Donc juste en faisant cette analyse, en disant « Ok, on a deux lignes, on les superpose, il y a des fois où elles se croisent, des fois elles ne se croisent pas, puis on a juste écrit les valeurs sur les axes ici », on est capable de dire quelque chose de très important sur notre modèle, qui est que, bah, selon les valeurs des différents paramètres, on peut observer ou non le prédateur. Puis là, on peut commencer à faire de l'écologie avec tout ça, okay, en se disant bah, « qu'est-ce que ça veut dire ?» Ben, par exemple, ça nous apprend, on va prendre cette équation ici, il faut que R soit supérieur à delta fois Q sur bêta. Là, on a juste changé un paramètre de côté, vous allez me dire c'est pas grand chose, oui, mais ce que ça nous apprend, c'est que pour que le prédateur se persiste, pour que le prédateur persiste, il faut qu'il y ait une productivité minimum de la proie. Si la proie n'a pas une certaine valeur de productivité, un certain taux de croissance R qui est plus grand que cette valeur-là,
il n'y aura pas de croissance du prédateur, donc le prédateur ne va pas pouvoir persister. Donc là, c'est une intuition qui est assez évidente, mais on y arrive de façon assez simple, en faisant assez peu de calculs finalement, simplement en dessinant nos isoclines et en voyant dans quel contexte elles vont s'intercepter ou non. Pour en revenir à ce qu'on disait au tout début de la séance, le deuxième concept qui est extrêmement important, là, ce qu'on a déterminé, c'est quand est-ce que la dérivée est égale à 0? Quand est-ce que la dérivée est égale à 0? Au passage, on peut identifier les autres états d'équilibre sur cette figure. Il y en a un là, et puis il y en a un là. Ça, c'est les équilibres en isolation. Donc, quand est-ce que la dérivée est égale à 0, c'est la moitié de la réponse. L'autre moitié de la réponse, c'est quand est-ce que la dérivée est positive et quand est-ce que la dérivée est négative. Dans l'intérêt de s'économiser un peu de temps, je vais vous donner la réponse. Le calcul est hyper facile à faire. Mais pour le prédateur, la dérivée, elle est négative quand on est en dessous d'une certaine quantité de proie. Et puis elle est positive quand on est au-dessus d'une certaine quantité de proie. Donc s'il y a beaucoup à manger, le prédateur, il augmente sa taille de population. S'il n'y a pas beaucoup à manger, le prédateur, il diminue sa taille de population. Jusque-là, c'est logique. Pour la proie, c'est la même chose. La proie, elle va diminuer quand elle est au-dessus de son isocline. Et puis elle va augmenter quand elle est en dessous de son isocline. Donc au passage, vous remarquerez que si on prend notre axe ici, qu'on enlève P et qu'on se concentre uniquement sur un monde à une seule dimension qui est la dimension de n, notre taille de population de la proie, elle augmente jusqu'à R sur Q et elle diminue au-dessus de R sur Q, qui sont exactement les résultats qu'on avait obtenus avec le modèle en absence du prédateur. Donc, allons-y avec ça parce que là-dedans, il y a quand même une interprétation vraiment importante du modèle à faire. Donc, on va reprendre cette figure-là. Et puis, on va regarder comment est-ce que notre modèle se comporte. On a nos isoclines et nos isoclines, elles ne se coupent pas. Et elles vont définir trois zones. Okay. Donc la première zone qu'on a ici, c'est augmentation de la taille des populations du prédateur. En dessous, diminution de la taille de population du prédateur. Puis là, on est toujours à gauche de l'isocline qu'on a identifié. Donc la taille de population du prédateur, elle diminue aussi. En ce qui concerne la proie, là on est au-dessus de son isocline, donc ça diminue. Là on est toujours au-dessus de son isocline, donc ça diminue. Par contre, rendu là, on est en dessous de son isocline, donc ça augmente. Comment est-ce qu'on travaille avec ces trucs-là? C'est des vecteurs qui nous donnent la direction du mouvement, donc on peut les additionner. Pour faire ça, si on a un vecteur qui va dans ce sens-là, plus un vecteur qui va dans ce sens-là, c'est égal à ce truc-là. Je vais le mettre en une autre couleur, bleu, très bien. C'est égal à ça. Okay. Donc là, en fait, on est capable de voir la direction du changement dans le système à partir du changement dans chacun de ces composants. Donc tant qu'on est ici, notre système va aller plutôt par là. Ici, il va aller plutôt par là. Puis ici, il va aller plutôt par là. Donc imaginons qu'on ait un point dans notre système et qu'on se promène on se promène ici. Je vais juste prendre une autre couleur pour ça. Ok, super. Alors, on va augmenter un peu, puis on va franchir l'isocline. Puis là, on va diminuer. On ne sait pas exactement comment. Puis là, on va réaugmenter. Puis imaginons qu'on refranchisse l'isocline par n'importe quel miracle ou par un événement stochastique.
On va repartir par ici. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a tout un espace, là, en fait, dans lequel la taille de population du prédateur, elle diminue constamment. Donc le prédateur, il va jamais pouvoir traverser cet espace-là pour arriver dans une zone où sa croissance est positive. Et ce que ça nous suggère, c'est qu'éventuellement, on devrait finir par se ramasser sur cet équilibre. Donc, à vérifier, évidemment, mais on serait plutôt en train de se dire, bah, dans cette situation-là, si les isoclines, elles ne se coupent pas, le prédateur, il devrait s'éteindre tant que la population de proie, s'il y en a au début, elle devrait être positive et atteindre une valeur qui est égale à R sur Q. On va faire la même chose ici, voir si ça change le comportement du système. Est-ce que qualitativement, ça change le comportement du système? Donc on a N, on a P, cette fois je vais le mettre au milieu. Ok. Et là on a quatre divisions de notre espace. Okay. Donc la première, ici, taille de population du prédateur qui diminue. Ici, bah, ça diminue aussi. Parce qu'on est à gauche de l'isocline. Là, on est à droite de l'isocline dans les deux cas. Ça augmente. Je me suis encore fait avoir. Ok, je vais la mettre ici. Ça augmente. Ici, ça augmente aussi. Pour la proie, ici, on est au-dessus de son isocline. Ça diminue. Ici, ça diminue. Et puis là, on est en dessous de son isocline. Ça augmente. Et là, ça augmente. Pareil, on peut refaire l'addition de nos différents vecteurs. Là, ça va aller dans ce sens-là. Là, ça va aller dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et puis ici, on va le mettre là, dans ce sens-là. Et là, c'est intéressant parce qu'il se passe quelque chose de nouveau dans notre modèle, qui ne se produisait pas jusqu'à présent. Et qui est que si on part par ici, ben, on va augmenter. Puis après, on va diminuer. Puis après, on va encore diminuer. Puis après, on va augmenter. Puis là, on va se retrouver dans la même zone d'où on est parti. J'en dirai pas plus cette séance-ci, puisque ça va être l'objectif des séances sur les analyses de stabilité locale. Mais là, on peut imaginer différents scénarios. Okay, on peut se poser la question de, tiens, est-ce que ça va faire une spirale? Ou est-ce que ça va faire un cycle? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va finir par atteindre cet équilibre? Ou est-ce qu'on va juste tourner autour? Puis ça, bah, c'est pas une interprétation graphique qui va nous le dire. Malheureusement, ce serait bien trop simple. Ça va être une analyse de la stabilité du système. Bref, on fera ça quand on en sera rendu là dans notre vie. Donc, juste pour faire un petit retour, en faisant nos petits dessins puis un minimum de calcul, on a été capable. Je vais juste reprendre l'ensemble de nos feuilles. On a été capable, avec un modèle avec un seul compartiment, d'identifier qu'il y avait probablement deux états d'équilibre. On a réfléchi aux signes de la dérivée. Et puis, donc, on a identifié que quand il n'y avait pas d'individus, ou quand il y avait un nombre d'individus qui faisait que les processus de croissance et de compétition s'équilibraient, le système allait arrêter de varier. À partir de ce modèle-là, on a rajouté une nouvelle variable, puis un nouveau processus qui est le processus de compétition. Et là, ça complexifie un petit peu la situation parce qu'au lieu d'avoir un seul axe sur lequel on pouvait visualiser nos choses, on avait besoin d'un espace à deux dimensions qui était défini par les valeurs des différentes variables du modèle. Donc, le nouvel outil conceptuel qu'on a introduit pour ça, c'est les isoclines. Donc, quand est-ce que chaque compartiment du modèle arrête de varier? Et donc on a fait nos petits calculs de quand est-ce que les dérivées sont égales à 0. On a défini une isocline pour le prédateur, une isocline pour la proie. Et puis au moment de les superposer, on s'est rendu compte qu'on avait deux situations. Soit elles se croisent, soit elles ne se croisent pas. Et puis selon si elles se croisent ou non, comme on connaît la valeur du signe de la dérivée dans les différentes à gauche ou à droite des différentes isoclines, on est capable de commencer à se faire des scénarios dans notre tête de est-ce qu'on va atteindre l'état d'équilibre ou quel type de comportement on est susceptible de voir dans ce modèle quand on va faire la simulation. Donc la prochaine séance de programmation, ça va être essentiellement d'implémenter ce modèle-là
et puis de voir, en fonction de la valeur des différents paramètres, qu'est-ce qu'on observe. Il y a d'autres techniques de visualisation qu'on peut appliquer, mais pour lesquelles on a besoin de faire des simulations, et donc c'est ce qu'on va faire mardi prochain. Là, on a pas mal fait le tour de comment est-ce qu'on créer des petites visualisations de nos modèles pour avoir des intuitions sur leur équilibre et sur leur comportement. C'est vraiment important de le faire en vrai. C'est pas simplement un exercice pédagogique, c'est souvent que quand on crée un modèle, on va essayer de le visualiser, on va essayer de comprendre les relations entre les valeurs, les relations entre les différents paramètres, comment est-ce que les variables elles interagissent là-dedans. Quand on a des modèles à deux dimensions, c'est extrêmement facile. Et donc c'est toujours très important de développer ses intuitions comme ça. Ce que ça va nous permettre de faire souvent, c'est de vérifier après, quand on fait des choses un peu plus compliquées, que c'est correct. Quand on fait des simulations, on va pouvoir vérifier que nos simulations elles fonctionnent, à condition qu'on ait fait notre, qu'on n'ait pas fait d'erreur quand on a trouvé nos isoclines. Ce que ça va nous permettre de faire aussi, c'est de gagner du temps sur quelles valeurs de paramètres sont pertinentes à regarder. Okay. Si on veut s'intéresser à un système dans lequel il y a des proies et des prédateurs, ben on sait que là, on a une hypothèse sur la valeur de R, et on peut vérifier que si la valeur de R elle est inférieure à delta Q sur bêta, notre prédateur ne devrait pas persister dans le système. Donc ça, c'est ce qu'on va valider la semaine, c'est ce qu'on va valider la semaine prochaine. Donc on va essayer de faire plusieurs combinaisons de paramètres pour voir comment est-ce que le système change et répond à la, aux relations entre les différents paramètres. Il nous reste un petit peu de temps, il nous reste 20 minutes. Il nous reste 20 minutes, alors je voudrais revenir sur le modèle à une seule variable. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, quelque chose d'autre que cette visualisation-là, elle nous apprend. Je vais juste le refaire. Donc quand on représente c'est n ici, et la dérivée de n en fonction du temps, donc on sait qu'on a un état d'équilibre à 0, on sait qu'on a un état d'équilibre à r sur q. Si on regarde cette représentation du comportement de notre modèle là, il y a autre chose qui est assez évident, c'est que on a une parabole. Et cette parabole elle a un point ici qui est relativement intéressant parce que ce qu'il va nous apprendre, c'est quelle est la valeur de n qui maximise la croissance de la population. Donc à quelle taille de population est-ce que la population elle augmente le plus vite? Mais aussi, c'est quoi sa vitesse de croissance maximum en fonction des paramètres. Okay. Puis ça, on peut le trouver sans faire notre visualisation, mais là, on a fait notre visualisation et on voit qu'il y a un point ici qui est le pic de notre parabole. Et donc, on peut se poser la question de, ok, c'est quoi le max? Quand est-ce que cette valeur-là, elle est maximum? Donc, pour faire ça, différentes façons. Okay, il y a différentes façons de le faire, mais la façon principale, la façon intuitive, c'est de se dire, ok, quand est-ce que notre valeur elle est maximum? Notre valeur elle est maximum quand au point où juste avant ça augmente et au point où juste après ça diminue. Donc quand on a un point comme ça, on en a un ici. Okay, là c'est là c'est positif, ça augmente, puis là c'est négatif, ça diminue. Et on sait que ces points-là, ça correspond à un changement de signe de la dérivée. Donc ce qu'on peut dire, c'est on va prendre la dérivée de ça. Donc on va prendre la dérivée de n point, en fonction de n, et voir quand est-ce que c'est égal à 0. Okay. Donc la dérivée de d de n sur dt, c'est égal à r fois n moins q fois n carré. Et donc si on prend la dérivée par rapport à n de ça, on a r
moins 2qn. Et ça, on le sait parce qu'on a tous appris par cœur nos tables avec les dérivées usuelles, etc., etc. Donc ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce que r moins 2qn est égal à 0, c'est quand r est égal à 2qn. Et ça, on veut l'exprimer en fonction de n. Et puis c'est égal à n. Enfin, ça fait n égale 1 demi de r sur q. Ok, parfait. Là, c'est le moment où on se dit, attends, r sur q, on connaît, on a vu quelque part. Parce qu'en fait, c'est la valeur de. C'est l'état d'équilibre. Ok, r sur q, il est là. Donc, oui, on peut l'écrire comme ça en disant bah, n, la taux de croissance, la croissance elle est maximum quand n est égal à 1 demi de r sur q. Mais c'est pas ça qui nous intéresse biologiquement. Ce qui nous intéresse, c'est que n qui maximise la croissance, c'est 1 demi de n étoile. Donc ce qu'on sait maintenant, c'est que quand on a la moitié de la taille de population maximum, on va avoir la croissance maximum. Donc si on a n étoile égale 10, le moment où la population elle va croître le plus rapidement, c'est quand on va avoir n égale 5. C'est quoi la valeur de la croissance à ce moment-là? Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre d sur dt de n, qu'on va évaluer au point pour lequel n égale 1 demi de n. Étoile. J'écris juste ça pour introduire des éléments de notation qui vont revenir pas mal dans les prochaines séances. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va remplacer notre n par 1 demi n étoile. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire r fois 1 demi de n étoile moins q fois 1 demi n étoile au carré. Ça va être la valeur de la croissance maximum. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut mettre les 1 demi de n étoile en facteur. 1 demi de n étoile fois r moins q fois 1 demi de n étoile. On sait que n étoile, c'est r sur q. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas remplacé par r sur q tout de suite? Ah, simplement parce que ça fait deux choses à écrire au lieu d'une seule. Okay? Et donc, ça va être plus facile pour nous de voir ce qu'on doit déplacer si on essaye de garder nos termes ensemble. Ceci dit, maintenant, on peut commencer à faire à remplacer n étoile par r sur q. Et du coup, ce qu'on va avoir, c'est 1 demi de r sur q fois r moins q fois 1 demi fois r sur q. Maintenant qu'on a écrit ça, eh bien on voit qu'il y a une simplification qui va être assez évidente. Et du coup, ça c'est égal à. On va écrire r sur 2q ici, fois r moins q, ça simplifie. Et ça c'est r sur 2 qui reste. R moins la moitié de R, ça fait R sur 2. Okay. Donc là, ce qu'on a, c'est R sur 2Q fois R sur 2. Et donc le taux de croissance maximum qu'on va avoir, c'est, mais on va multiplier ça ensemble, c'est R carré sur 4Q. Donc en fait, on peut reprendre notre figure de tout à l'heure. Ici, n point ici c'est r sur q, ici c'est 0, ce point-là c'est 1 demi de r sur q et ce point-là c'est r carré sur 4 fois q. Ok. Ça, c'est principalement utile parce que
Ça va nous. C'est pas nécessaire de le faire. Okay? C'est juste parce que là, on avait une opportunité de regarder. Okay? Tiens, il y avait le. Il y a l'air d'y avoir un pic sur notre parabole. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Mais ça va être utile dans certaines fois si on veut vérifier que c'est bien ce qui se produit dans nos simulations. Quand est-ce que là, quand on fait notre simulation, on s'attend à ce que le taux de croissance va être un truc qui est logistique. On s'attend à ce que la logistique elle augmente le plus rapidement quand n est égal à 1,5 de r sur q. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va pouvoir vérifier. Ça nous donne aussi l'information sur le taux de croissance maximum de notre population. Donc, on peut développer d'autres informations sur notre modèle et du coup ça va nous permettre de vérifier que le travail qu'on fait par la suite correspond à tout ça. Donc le message à retenir c'est dès qu'on a l'opportunité de visualiser quelque chose sur le comportement du modèle, c'est extrêmement important de le faire parce qu'il y a plein d'intuitions qu'on va développer par rapport à ça. Une fois qu'on passe du papier et crayon à la version programmation, on va avoir des outils de visualisation plus interactifs, beaucoup plus puissants. On va pouvoir faire des vraies simulations de trajectoire pour comprendre ce qui se passe dans le modèle. Mais ce travail-là, c'est la deuxième partie. La première partie, c'est vraiment d'écrire le modèle, de faire ce travail d'analyse pour développer les intuitions et s'assurer qu'on ne travaille pas dans le noir quand on est en train de faire notre travail de simulation. Donc, dans la majorité des devoirs optionnels que vous aurez à faire pour ce cours, il va y avoir une étape d'analyse qui va être vraiment importante. Devoir optionnel pour cette séance-ci, qui devrait pas vous prendre tellement de temps, c'est de faire une modification du modèle, dans laquelle la croissance de la proie, c'est plus une croissance qui est régulée par la compétition, donc le terme de Q fois n carré disparaît, mais c'est une croissance qui est exponentielle. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est réécrire le modèle, et puis recalculer les isoclines, et donc poser la question de est-ce que les deux isoclines, elles se croisent toujours? Est-ce que ça change notre interprétation des relations entre les paramètres? Ça change notre interprétation du système. Et donc, ce que je vous demande de faire, c'est d'arriver avec une visualisation des isoclines pour la proie, pour le prédateur, la superposition des deux et votre discussion pour le modèle où il n'y a plus de compétition intraspécifique dans la proie. Vous avez vu dans cette séance tous les concepts, tous les outils qui sont nécessaires pour faire ce travail-là. Je vous conseille de le faire dans la semaine qui vient. Je mettrai la correction sous forme de capsule vidéo en ligne d'ici une semaine. Je vais arrêter la diffusion en direct et je vais rester 10 minutes dans le channel Discord si vous avez des questions. Et sinon, on se retrouve mardi matin à 10h30.